Pour en savoir davantage sur le travail de ce réalisateur, mais aussi le travail sur le plateau de tournage, on s'est entretenu avec l'actrice Julie Perreault, qui a obtenu une nomination en 2013 pour son rôle dans 19-2. Pas plus d'explications. J'ai dû me tromper. Ça, c'est du travail inutile. Parlons du travail de Pods. Tu as travaillé avec Pods sur le plateau. On voit le résultat final. Qu'est-ce qui fait que le travail de Pods donne un tel résultat à l'écran? Bien, je pense qu'on a le privilège de travailler avec un réalisateur qui est super inspiré, qui a aussi une vision globale du projet. T'sais, on n'a pas l'impression qu'on vient faire un peu notre number, puis qu'après ça, on passe à un autre. Sa façon qu'il a de s'approprier les choses, puis de raconter son histoire, tu as l'impression de participer un peu à sa mise en sa façon qu'il a, en fait. Il t'accompagne, mais il t'enrobe, en fait, de toute son inspiration puis de toute sa créativité. Puis souvent, c'est très surprenant parce que on se prépare, tu sais, chez nous, tu sais, on lit notre scène, on fait pas juste apprendre un texte, on a réfléchi à où est-ce qu'on veut amener notre personnage. Puis des fois, faut que tu abandonnes, faut que tu jettes les armes parce que tu sais qu'il va te prendre dans le détour puis qu'il va aller à l'encontre de la facilité. Fait que c'est en même temps confrontant dans le bon sens. Tu rentres chez vous puis tu te demandes qu'est-ce que ça va donner, mais quand tu le vois à l'écran, tu savais qu'il savait très bien où est-ce qu'il t'amenait, tu sais. Fait que c'est formidable. C'est beau de sortir la clé caméra. Toi, ce personnage-là, comment tu l'abordes? Qu'est-ce que tu aimes de ce personnage? C'est vraiment un personnage qui se construit scène après scène. C'est vraiment avec les années aussi. Tu sais, je trouve que c'est un personnage qui se bonifie avec le temps. On la retrouve à la saison 3. Au meilleur d'elle-même, tu sais, c'est pas une amoureuse extraordinaire, c'est encore moins une mère, tu sais, comme un modèle de mère exceptionnel, mais par contre, c'est une enquêteur avec énormément de crédibilité qui va pousser davantage. Là, je me retrouve sur l'enquête du drame de Hull, qui nous mène au tournant puis au crime organisé. Moi, je suis à l'anti-gang, donc c'est moi qui prend ce dossier-là, puis je tenterai de collaborer avec les deux policiers du 19-2 qui vont me mettre beaucoup de bâtons dans les roues, mais je vais vouloir résoudre cette enquête-là avec brio parce que c'est la force de ce personnage-là, tu sais, d'être une excellente enquêteur. Je vais être nommée lieutenant. C'est quoi l'avantage et le désavantage d'attendre aussi longtemps entre les saisons? Ben écoute, l'avantage, c'est que tu apprends à te détacher des choses. Puis c'est très sain de pouvoir laisser aller les projets puis d'y revenir. C'est rare qu'on a la chance de faire ça. Souvent, on tourne un film, c'est super intense. Après ça, on dirait que... Mais là, tu as aussi la chance en tant que acteur de changer un peu les choses puis de t'améliorer, d'avoir une distance par rapport à ton travail. Ça, c'est... Au début, je voyais ça comme un désavantage parce que je trouvais que le temps était long, tu sais, entre les saisons. Mais maintenant, je le vois vraiment comme quelque chose de très positif, tu sais. Puis le désavantage, ben, c'est juste que je peux pas faire des câlins à Claude Legault aussi souvent que je voudrais. C'est juste le seul désavantage.